J'ai fait un échafaudage là. Faut pas que ça tombe. J'ai même mis des coussins pour une probable chute. En plus, j'ai perdu ma carte de débit chez moi. Putain, elle commence trop bien cette première vidéo. Bonjour à tous, je me présente. Oh putain, on dirait trop que je fais un oral. Bonjour à tous, je me présente Coriane et aujourd'hui, je vais vous présenter mon plan marketing. Je m'appelle Lauriane, j'ai 19 ans. J'habite au Canada, ça fait un an et demi. Je suis en deuxième année dans mon baccalauréat d'administration des affaires. Le baccalauréat, c'est l'équivalent d'une licence en fait. En première année, j'étais en ressources humaines et là, j'ai changé de voie, je suis en marketing et ça me plaît plus le marketing. J'ai décidé de faire une chaîne YouTube. Ça fait vraiment hyper longtemps que j'ai envie d'en faire une. Je crois que je devais être en seconde. J'avais pas grand chose à dire quand j'étais en seconde. Ça va faire 5 ans. Oh. Mais en fait, sur les réseaux sociaux, il y a tellement de personnes qui me demandent des informations sur la vie au Canada, les études au Canada, comment ça se passe. Il y en a qui ont peur, il y en a qui savent pas, il y en a qui ne trouvent pas assez d'informations sur... je regarde partout sauf la caméra. Ne trouvent pas assez d'informations sur internet et tout. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de faire ta chaîne pour toucher un plus large panel, surtout les gens qui veulent aussi venir mais qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas que j'habite au Canada et tout. Donc voilà pourquoi je vous cette chaîne. Ça va parler essentiellement de ça en fait, de tout ce qui est vie au Canada, le climat, l'adaptation, les papiers, parce que nous sommes des étrangers, il y a beaucoup de papiers à faire. Je pense que je vais faire au moins plusieurs vidéos sur ça. C'est pas dur, c'est plus chiant en fait, c'est long. Choisir les universités, choisir les cégeps aussi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ça par rapport aux soins infirmiers et tout, qu'il y a une autre alternative puisque ici la médecine est contingentée, c'est vraiment plus réservé aux Canadiens même. Donc voilà aussi, genre. Comment on vit, comment ça se passe, parce que le Canada c'est un très 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 beau pays, mais on sait bien que le climat est très très beau aussi. Surtout pour nous Antillais qui ne sommes pas habitués à vraiment ces températures extrêmes, vraiment vraiment extrêmes, cette quantité de neige, cette dépigmentation de la peau. Des expériences que j'ai vécues, des petits tracas en fait, des petites... problème que j'ai eu ici et que j'ai toujours en ce moment même. Et donc voilà, parce que j'estime quand même que quand je suis arrivée au Canada, quand je me suis installée et tout, j'ai vraiment beaucoup beaucoup de chance comparé à mes amis, à d'autres personnes. Et il y en a qui n'ont pas eu autant de chance que moi et j'aimerais vous procurer ma chance si vous comptez vous installer au Canada. Ensuite, sur ma chaîne, je pense pas du tout faire genre des vidéos make-up, beauté, parce que je sais pas me maquiller. Donc je veux pas vous transmettre ma non-connaissance du maquillage. Et sinon, cheveux, je trouve qu'il y a tellement de vidéos sur les cheveux crépus, sur les cheveux bouclés, sur les cheveux naturels, sur les cheveux en transition. Le réseau est saturé et je trouve qu'il y a des filles qui en parlent tellement mieux que moi, je pourrais vous en parler. Après, c'est pas dit que je n'en ferai pas de temps en temps, mais ce serait pas en mode mon bread out, mon twist out, lock méthode, shingling méthode, ce genre de trucs là. Surtout qu'il y a déjà pas mal d'Antillaises qui sont en France, qui parlent déjà de leurs cheveux, l'adaptation de leurs cheveux au climat de la France. Ça va être à peu près la même chose, sauf qu'ici le climat est plus rude, donc les dommages seront beaucoup plus intenses en fait, mais ça part de la même base. Donc
Après, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'en tout cas, make-up, j'en ferai pas. Genre, je pense vraiment pas. Mes cheveux, on verra, mais vraiment pas le. Ce sera pas une chaîne. En fait, c'est pas une chaîne. C'est vraiment une chaîne lifestyle. C'est pas une chaîne de beauté. Donc voilà, aussi, oula, j'ai oublié de dire, j'habite à Trois-Rivières. J'habite pas à Montréal, j'habite. C'est une ville. Je dirais que c'est une petite ville, genre, on a d'autres qui diraient que c'est une moyenne ville qui se situe entre Montréal et Québec. Voilà, au plaisir de vous revoir sur ma chaîne. Je vais pas dire enfin, abonnez-vous, c'est trop bizarre. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez. Si vous voulez commenter quoi, waouh, super présentation, continuez comme ça. Non, en vrai, ça me fera plaisir. Mais bon. Donc voilà, je fais de gros bisous et je vous dis. Peut-être que je vais refilmer tout de suite notre vidéo. Pourquoi pas en vrai. Gros bisous et